Allô. Allô, allô. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Hop, la musique se termine, c'est parfait. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à pouvoir kiffer un petit peu du Dragon Quest Builders. Voilà. Dragon Quest Builders. Tsu. Voilà. Voilà. Donc, on va builder sa race. Hop, je passe sur le game. Papa. Voilà, donc si vous entendez un peu de bruit derrière, ne vous inquiétez pas, ce sont mes ventilos parce qu'il fait encore chaud sa race. Voilà. Quoique ça c'est. Ça va, ça s'est calmé un petit peu, je t'ajuste juste. Voilà. Le ventilo qui fait plus de bruit, je le coupe. Voilà. Ce que j'avais un peu. En fait, je pense surtout j'avais un peu chaud tout à l'heure parce que j'ai joué à Smash avec les colocs. Et qu'on s'est dosé à balle. Et du coup. Voilà. Oh là là. Oh là là, les photos du mode. Il faudrait que je désactive ce truc-là. Parce que c'est chiant en fait. Ah, tu peux mettre une mention j'aime. Génial. Alors, on s'était quitté ici. Alors attendez, je jette juste un petit coup d'œil à votre ce que vous avez en retour. Pour voir ce que ça donne, parce que ça m'intéresse. Ça m'a l'air grave propre. Super, voilà. Bon. C'est for work. Voilà, vous me dites si jamais le jeu est trop fort par rapport à ma voix. Donc, là, normalement, si je me trompe pas, on devait se préparer pour aller faire la bagarre. Pour aller faire la bagarre. Donc, bagarre it is. On va manger pour récupérer un peu de faim. Je vais juste, moi, baisser un peu le son de mon côté. Voilà, je sens qu'un combat se prépare, Baxel. Et je me trompe jamais là-dessus. Et si c'est Vegeta qui le dit. Je ne sais pas si c'est à cause de l'arbre que t'as planté ou de la cloche que t'as fait sonner, mais quelque chose énerve les monstres. Il faut construire les meilleures armes possibles pour tous ceux qui peuvent se battre. Et ça compte pour moi. Pour moi aussi, d'accord? Mais prêt à les casser du méchant? Oui. T'inquiète pas pour les dégâts occasionnés. On réparera tout ça quand les combats seront finis. Tâche surtout de donner une bonne leçon à ces misérables. Alors du carnage. Que le combat commence. Attends, mais j'aurais pas construit des armes. Attends, vite. Comment on court déjà? Je ne sais plus courir. Merci pour le sub, Curie. Oh, merde, comment on construit des armes? Ah mais non, c'est sur l'enclume. Vite. Ah oui, c'est R1, je crois, pour courir. Ouais. Voilà, est-ce que j'ai donné les armes à tout le monde? Oh, c'est la guerre! C'est la guerre, c'est complètement la guerre! Ah, il y a des émotes. Je sais pas comment je vais pouvoir activer les émotes, mais il y a des émotes. Allez, on y va. 3. Tiens, meurs, fais long. Attends, je fais les attaques sautées. C'est ultra cool les combats comme ça en fait. Waouh! On y croit. Non, meurs pas, meurs pas!
Allez. Éloignez-vous parce que pour mon style attaqué. Ça commence très fort. Hein. Pas que c'est le tank. Ah bah oui, mais c'est mon métier en même temps de tanker. Non. Allez. Allez. Non. Tous, tous. Allez. Yes. On a gagné. C'est un combat en raid. Ah là là. Est-ce que tout le monde va bien? En même temps, je suis con, j'ai oublié de leur donner des armes avant le combat. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ces monstres faisaient partie des héritiers de Chaos. Alors on a appelé ses amis, hein? Vous le savez, maintenant qu'on a fait ce qu'il fallait pour faire pousser le vénérable, vous avez plus besoin de nous. Vous voulez nous mettre mort? Je ne pense pas. Le pâtre est avec nous depuis le début. Même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu transmettre un message au monstre. J'ai bu trop vite et je parle. Allez. Et il a aussi dit qu'il y avait encore à faire pour que le vénérable pousse. Si c'est vrai, pourquoi voudrait-il notre mort? Ça n'a aucun sens. Tu t'appelles Bertie, n'est-ce pas? Dis-moi, Bertie, pourquoi tiens-tu à ce point à reconstruire la ferme de Verchamp? Pourquoi? Eh bien, j'imagine qu'on a toujours rêvé. Je vois. Vous avez tous fait du bon travail. Attendons demain pour voir le reste des tâches et des missions. Je pense que nous avons suffisamment d'émotions pour aujourd'hui. Je compte bien dormir sur mon oreiller de blé et sous ma couverture en feuilles de chou. Ok. Et je te conseille de faire de même, Paxel. C'est comme ça qu'on fait à Verchamp. Ah là là. Ah oui, au fait... Parce que voilà, faut célébrer. Wow. Alors, ce vénérable, il y a encore à faire, pas vrai? Enfin, il y a déjà pas mal changé. Au tout début, c'était qu'une simple pousse. Tu te rends compte à quel point tes compétences de création sont puissantes? Non. Et puis, il y a les héritiers de Chaos. Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis, Paxel? Hein? T'as entendu dire que Chaos avait déjà été vaincu par les descendants d'Elric et que ses forces s'étaient éparpillées? Étrange. On dirait qu'ils font toujours la loi par ici. Il y a quelque chose de louche sur cette île-là. Ce qui m'interpelle le plus, c'est que tout le monde dit que les bâtisseurs n'apportent que destruction et désespoir. Qu'est-ce que ça cache? Vous deux, à quoi vous levez si tôt si c'est pour passer la journée à discuter? Il y a encore à faire pour que le vénérable retrouve toutes ses forces. Venez écouter comment procéder. Avant de commencer, bâtisseur, dis-moi, que penses-tu de la jeune fille nommée Bertie? Son apparence enjouée et son optimisme à toute épreuve n'empêche de broyer du noir. Et c'est donc pour elle autant que pour moi que je te demande d'effectuer les tâches suivantes. Venez mes vassaux, approchez. Waouh, mais il y a trop de monde dans ce village maintenant. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour la récente attaque. Sachez que je ne leur ai rien demandé. Cependant, ma simple présence ici a pu... Oh! Regardez le ciel! Nanakuri! Oh! Diantre! Est-ce que c'est? Oh non! Eh, hey, c'est pas un de ces machins là? La lune de sang. C'est l'éclipse! Putain! C'est marrant parce qu'en plus en ce moment je commence à lire Berserk. C'est un germe méphitique! Et là un autre! Et encore un là! Pourquoi as-tu plein de germes méphitiques tout à coup? Qu'est-ce qui cloche avec le ciel? C'est à cause de ce vent bizarre! Et là, il semble que le vent mauvais souffle à nouveau sur Verchamp. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas corrompu cet air. Cette maudite tempête est la source des germes méphitiques. C'est à cause de ce vent qu'une grande partie de la terre sur l'île a été contaminée. Une petite minute, vous voulez dire que cette stupide tempête va détruire tout notre travail? Mais tout allait si bien. On peut pas laisser ces horribles germes méphitiques détruire nos rêves. Faut faire quelque chose.
Les germes éphytiques absorbent l'air qui les entoure pour les convertir en une vapeur viciée. Quand ils explosent, ce gaz toxique contamine la Terre. Mais si on les empêchait d'absorber l'air, est-ce qu'ils flétriraient sans causer de dégâts? Peut-être, je ne connais aucun moyen de stopper le vent mauvais, mais avec l'aide de Paxel, nous pourrions peut-être détruire les fruits méphitiques. Il faut tenter, Paxel. Il y a 5 germes méphitiques à la ferme. Enfermez tous des côtés pour les empêcher d'absorber l'air. Ok. Attends, comment on passe? Ah merde, c'est pas ça. Comment ça je peux pas placer ça ici? Waouh, ça a fonctionné. Super, ça a fonctionné. Ce germe physique a disparu, tu es incroyable, Paxel. Ces maudites choses ont causé tant de souffrance. J'ai du mal à croire qu'on ait pu les détruire si facilement. Si seulement on avait eu un bâtisseur. Il reste encore 4, il faut tous les détruire. Ok, je m'en occupe. Tu peux compter sur moi. Attends, hop. À placer ça là. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, ah, évidemment, toi, il faut que tu viennes me casser les couilles. T'as pourri mon groove. Hop, et la dernière. Alors, il y en a une ici. Alors, on va manger des kabaji. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Mon OCD est triggered. Salut, sombre. Bah, soit on veut tuer tout le monde en général, soit on veut conquérir le monde. Enfin, tu vois, c'est raccord plus ou moins. Yes, c'est bon, tu les as tous eus. Merci infiniment, Paxel. Maintenant, si on pouvait se charger du vent au mauvais. OCD, je crois que c'est. Machin disorder là, c'est. C'est en gros, c'est trouble du comportement. C'est les bourgeons de Dieu. Les mini-germes méphitiques. Ah, informe le pâtre. Tous les germes méphitiques ont été éliminés, dis-tu? Si je m'abuse alors. Regardez le ciel. Et là. Waouh. Génial, le vent mauvais s'est éloigné. Trouble dissociatif de l'identité. Oh. Non, d'un grêlement qui s'arrête. Paxel, tu as réussi. Et pas un 7 cm carré de notre belle-terre a été contaminé. Calmez-vous. Très beau travail, Paxel. Tes compétences de bâtisseur sont remarquables. Nous, les héritiers du chaos, savons causer des ruines de Verchamp. Nous avons détruit le vénère arbre pour que la vie disparaisse à tout jamais. Nous avons interdit aux humains de construire et leur avons ordonné de nous aider à réduire les bâtiments encore debout en poussière. Pour une incarnation de la destruction comme moi, c'était logique. Puis j'ai vu cette pousse fragile, le vénérable revenu à la vie et la force irrépressible de la vie qui l'enfermait. Quand j'ai vu cet arbre et les merveilles que tu réalisais, jeune bâtisseur, j'ai été forcé de revoir mes principes. Oui, je m'en souviens. Vous avez dit avoir changé d'avis. Paxel, je t'aiderai à rendre un vénérable sous mon pouvoir dans le temps. J'ai le savoir nécessaire. En échange, j'aimerais être témoin d'autres de tes prouesses de construction.
Si gros Paxel, la construction est devenue populaire. Même le patron des héritiers de Chaos est impressionné. Écoute, bâtisseur, le vent mauvais soufflera peut-être bientôt. Il faudra alors détruire toutes les gerbes éphitiques avant qu'ils ne détruisent notre travail. Bon, qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse d'autre pour que faire pousser Vénérable? Allez, dites-nous. Très bien. Je vais vous dire ce qu'il faudra faire ainsi que le Vénérable s'épanouisse encore davantage. Ouvrez grand les esgourdes. Ah, bon, on est reparti. Oh, 250 récoltes. Putain. Ces cultures devront recouvrir un total de 250 carrés de terre dans le périmètre de la ferme. Il faudra explorer l'île de fond en comble afin de trouver les types de graines nécessaires. Ça passe tranquille, 250. Ça m'a l'air long quand même. 5 types de cultures différentes. On a déjà des choux et du blé, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver d'autres variétés de graines. De nombreuses graines sont dissimulées aux quatre coins de cette île. Je vous suggère d'utiliser vos forces pour les découvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Paxel? Tu as encore quelque chose à dire? Ah oui! Au fait, je tiens à vous signaler, je sais pas si vous l'avez vu quand vous êtes connecté sur Twitch, mais en ce moment, pendant tout le mois de septembre, vous avez les subs moitié prix. Et sachez que quand vous subez, d'une part, moi je reçois la même somme que d'habitude, vous, ça vous fait un sub moitié prix, et en plus, vous pouvez avoir des superbes émotes Subway! Voilà. Si ça vous intéresse. Just saying. Même si je vois sur le chat que quasiment tout le monde est sub. C'est September, ouais. Comment? Je pense qu'il est grand temps que je me joigne officiellement à vous. Pour qui me prends-tu? Puis-je te mourir que m'associer à Bézière Bâtisseur? Je me lave les mains de cette affaire. Je m'en lave les mains. Je plaisante, évidemment, je serais ravi de me joindre à vous. Quelle indignité. En tant que nouvel habitant de votre village, permettez-moi de vous présenter. Mon nom est Hack. Et je suis le pâtre de cette île. Vous pouvez m'appeler le Patrac. Ouh, que pensez-vous de accueillant? Non, je crois que pâtre est quand même plus adéquat. Le Patrac s'installe à l'affaire de Verchamp. Oh là là. Ça vole très haut. Ouah, le Patrac est officiellement villageois, ça me fait bien plaisir. Non mais la blague est drôle, on va pas se mentir. En vrai, la blague est drôle. Autrefois, les habitants de Verchamp organisaient un grand festival au moment des moissons. On devrait faire la même chose quand le Vénérable aura atteint sa maturité. Un festival de la moisson? Je sais pas ce que c'est, mais ça peut être amusant. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on trouve toutes les graines dont on aura besoin. Allez, au boulot! Oh, mais je vois pas pourquoi tu veux buter Réa, toi. Vous êtes un peu... réac. Alors, du coup, ouais, c'est bon, c'est fertiligène. Ah, ça va, tu peux le faire à la suite. Graines de chou. Mais on est déjà quasiment à 4... ouais, à plus d'une centaine en fait. Ah c'est bien, ils travaillent tous la terre. Hein. Bon bah ça va, ils ont l'air de bien bosser. Est-ce qu'il y en a un qui a une mission pour... Oh, il y a un petit chien. Qu'est-ce que tu veux, petit chien? Petit chien. Ah, Paxé, tu sais comment on va pouvoir se procurer des graines? On a déjà du chou et du blé. Mais il nous faut 3 variétés supplémentaires. Si seulement on avait un épagnole de Verchamp sous la main. Ah bah ça, ça tombe bien alors. Ces chiens, on aura hors du commun, ils pourraient nous dénicher des graines en un rien de temps.
Oh, regardez comme il est trop chou. Regardez sa petite tête là. Il fait waf waf. Quoi? Elle est là depuis combien de temps? Oh. T'as quelque chose à me montrer? J'ai peur qu'elle va nous mener aux graines dont on a besoin. Ça ne peut pas être une coïncidence. Le vénérable l'a sûrement envoyé pour nous aider. Ça serait trop beau. Qu'est-ce que t'en dis, Paxé? On y va? Ah bah oui. Oui, oui. Waf, waf. Je te suis, petit chien. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Cherche! Allez, cherche! Cherche, petit chien, cherche! Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? Tiens, regarde. Je leur pète la gueule aux méchants monstres. Cherche, petit chien! Oh, une crotte! Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ça va de l'autre côté! Oh, il y a des cactus! Et c'est pas venu ici! La vache! Ah, il y a un nouveau truc de TP en plus. Guetteur robot sort chez nous. Ah, ah oui, c'est à l'ancienne ça. Non, tu veux donner un nom au chien, Twinkle? C'est complètement différent du reste de l'île ici. Regardez des quenouilles! Il y a des quenouilles! Espèce de marécage, pareil qu'on va pouvoir trouver tout un tas de nouveaux trucs. Allez, on va faire un tour. C'est quoi ça? Il y a un gros rat dégoûtant là-bas. Vous connaissez sûrement les environs. Allons voir. Quick, que fait le canuman par ici? Tu as prévu un pique-nique? Ça expliquerait ton sourire. C'est le marais de Verchamp. Tu devrais activer ce naviglobe, c'est facile de se perdre ici. Les gratatouilles et les archers ne te causeront pas d'ennui. En fait, si tu as des problèmes, n'hésite pas à leur parler pour voir ce qu'ils ont à dire. Quick! Voilà, TP activé. Waf waf le chien. Ah, la fibre végétale, ça peut être utile ça. Par contre, si c'est dense. Ah oui, donc ça me fait des dégâts, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, casse tout. Malotte. Petit chien. Un nouveau biome qu'on a. Qu'est-ce que ça s'appelle un biome? C'est genre quand t'as une nouvelle zone, c'est ça? Voilà. Mais c'est qu'on est bientôt au niveau 5. Hein. Ah, une zone, d'accord. Waf waf. Tiens. Ouf. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens. Bonjour madame. Qui êtes-vous? Oh, bonjour toi. J'ai partagé mon déjeuner avec toi l'autre jour. Tu as mené ces braves gens jusqu'ici pour qu'ils viennent nous aider? Ah super, on a fait tout chemin pour tomber sur deux filles toutes sales. Il n'y a toujours aucun signe de graines dont on a besoin. Mais quel connard. Non mais quel mal a pris. Ce ne sont pas des filles mais des demoiselles. De charmantes demoiselles qui plus est. Les héritiers de Chaos sont jetés dans ce trou hideux. Ils nous ont enjoint à nous repentir, mais ça fait des jours que nous sommes coincés ici. Je sais que la cuisine va à l'encontre des préceptes de Chaos. Je sais que je n'aurais pas dû, mais j'avais tellement faim. Ah, la cuisine? Ça m'intéresse. Je suis le Super Saiyan Blanco. Je répare le monde. Il s'appelle Popette, un pâtisseur, dis-tu? Et tu construis une ferme avec tes amis? Non, non et non, c'est péché. Les héritiers de Chaos ne le permettront pas. Ah, on a encore tombé sur des fanatiques. Allez, Paxel, on les ramène à la ferme pour faire des bâtisseurs et bâtisseuses, comme l'autre éliminé. Oh, quelle bonne idée! Il me tarde d'y être. Moi, c'est Annette et elle, c'est ma sœur, Canelle. On sera ravis de vous joindre à nous. De nous joindre à vous. Serre-toi ta carte pour t'y déporter en vitesse. Oh, tu me dis pas quoi faire?
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... C'est une énigme. Ça fera protection pour ton village. Ouais, ça peut... Ça peut le faire. C'est absolument merveilleux. Vous avez tous du travail très dur pour le construire. J'en ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce que tu racontes, Annette? Cet endroit est un vivier de péché. Ne te laisse pas avoir par ce bâtisseur. Va dire les troncs. Oh, mais sous-sœur, je lis pas tout parce que j'ai du mal à lire parce qu'il est un petit peu tard. Voilà. Vous savez tout. Ah, des cannes à sucre. Génial. Yes! Pam 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 pam. Pam. Voilà, les petits cœurs. Alors, du coup, vu qu'on est de canne à sucre. Attends, on va réunir tout le monde. On récupère tous les cœurs. Voilà. Alors, attends. Silence, ça pousse. Alors, menu. Inventaire. Hop. Ah oui, il te marque les différents types aussi que tu as plantés. Ok, très bien. Je crois pas mes yeux, c'est un nouveau type de plante. Eh bien, pourquoi tu fais cette tête? Notre fille et compagnie, on n'a pas tardé à se rendre utile. Elle nous a trouvé de nouveaux plans et de nouvelles amies. Comment ça, elle? Ah, donc c'est une chienne, c'est une femelle. À côté d'un point d'eau. Ah ouais, merde. Ah, mais attendez, j'ai une idée. Oh. Mine, mine, belle, lassie, princesse. Elle est partie. Vous aider ou pas? Cette chienne est vraiment dans son monde. Comment faire pour qu'elle ait en sorte qu'elle nous écoute? Ah, le patraque. Pour tout dire, la wifi, l'animal, rien ne vaut une petite carie sur la tête. Même les plus timides sont capables de résister à ce gage d'affection. Encore faut-il pouvoir s'en approcher sans provoquer leur colère. Faufile-toi derrière elle sur la pointe des pieds, tout doucement et surtout sans courir. Ah oui, d'accord, donc... en gros, faut... You can pet the dog. Câlin. Ah, petit chien. Can you pet the dog in Dragon Quest? Yes, you can. J'ai poké en dernier, je gagne. Non, on ne peut pas kill le duo. Je crois qu'elle t'aime bien, Paxel. Ça rappelle quelqu'un, alors comment tu vas l'appeler? Voyons voir, qu'est-ce qu'il tirait comme petit nom? Je sais, à partir d'aujourd'hui, ma belle, tu t'appelleras Cro-Mortel. Non, Mordella. Putain. Arrêtez avec 30 000 noms, là. Bon, bah vous savez ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. Game of the Year. Voilà, you can rename the dogo. Vous pouvez taper point d'exclamation poké dans le chat pour renommer le chien. Vous avez 8 caractères. On peut même mettre un petit cœur, regarde ça. Incroyable. Twinkle, si tu veux renommer le chien, c'est maintenant. Ah, et Twinkle qui part pile au moment où je propose de remuer. Ah, c'est bon. Alors, c'est une femelle, apparemment. Enfin, en tout cas, de ce que disait Bertie, c'est une femelle. Après,
pour les précisions, je sais pas moi. Je suis pas un pro des chiens. Je suis pas allé vérifier. De toute façon, je pense pas que je puisse vérifier une game, on va pas se mentir. Alors, est-ce que... T'as pas vu les couilles? C'est ça. Il reste 30 secondes s'il y a encore des gens qui veulent rename. Non, clairement, je suis pas allé vérifier s'il y avait des cougnettes. Hein. J'ai pas que ça à faire. Bienvenue dans ce petit stream ASMR. Aujourd'hui, on va jouer à Dragon Quest Builders 2. Et on va renommer le petit chien. Parce que c'est mignon de renommer le petit chien. Ah bah si. Alors, Curie, vas-y, donne un nom au petit chien. Ah, je suis sûr, il va donner un nom sorti de nulle part. Et vous voyez, c'est pas le dernier à avoir. Rôlé. Hein. Fushi avec les accents. Alors, bon, la règle veut que tu nous expliques un pourquoi. Du coup, c'est un trait ou c'est un. Ou c'est deux points? J'aurais dit Doc Champ. Donc, c'est un peu mon rename. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche, sombre. J'ai tapé chien drago. Ah, stylé. Ça, c'est stylé, ça. J'avoue. Ça a de la gueule. J'approuve. Tomber sur des lions de pierre chinois. Bon, est-ce que tu valides Curry? Qui ont littéralement des têtes de chien. Bah oui, bah sinon t'as les... Oh putain, il y a un yokai comme ça. Yokai, dog, dragon. Putain, 100% il y a un yokai comme ça. Bah oui, si c'est... Enfin, c'est pas vraiment un... C'est le fou dog. Enfin, il y a un... Putain, il y a un yokai qui a cette gueule-là. C'est le Koma Inu, putain. Voilà, c'est ça. C'est ces trucs-là, là. Lion qui porte chance. Donc tu valides du coup sombre. Sombre Curie, excusez-moi. Si c'est ok pour toi, avec l'accent et tout, on valide. Je valide, ok. Voilà, le chien rejoint l'équipe de Paxel. Et mes idées alors? Bon, ça pourrait être pire que Fushi, hein. En fait, ça me plaît bien. Enkidu, putain oui, Enkidu. Maintenant tu es notre ami, Fushi. Et l'amitié, c'est précieux, alors ne laisse pas tomber. Pat pat. You can pet the dogo. Bon, bah si on peut pet le dogo. Omedetto, tu as provisionné le toutou? Apprivoisé le toutou. On dirait que Fushi a très envie de nous aider. Mais comment elle connaît son nom alors que je lui ai pas dit? Avec une épagnole de Verchamp à nos côtés, on va pouvoir sérieusement se mettre à la recherche de graines. J'ai une idée, on devrait créer une brigade spéciale des chercheurs de graines. Évidemment, tu en serais le meneur, Paxel. Fushi pourrait être notre guide, et le Patrak et moi, on s'occuperait de tout ce qui est stratégie. On peut faire ça, ouais. C'est parce que tu parles fort. Et Malroth, dis-tu. Oh, je sais, il pourrait être ratatineur en chef. Ah, ça a l'air de lui plaire. Allez, on va chercher les graines. Ah, encore une caisse, putain, c'est Ketland.
davantage de marais vers... Oui, donc on va aller faire un tour au marais. Creuse l'endroit où ça sera arrêté pour aboyer, tu trouveras ce que tu cherches. Ok. Et ben on va aller creuser. Un certain outil. Ah, une pelle donc. Mmh. 25, ok. Et bah faisons comme ça. Attends, non, d'abord, je vais aller voir ce que c'est le fameux truc avec un point d'interrogation. Voilà, parce qu'il y a une énigme. On n'a pas résolu l'énigme. Ah bah. Attends, oh là ! Où ? Je vous permets pas. Qui vous a autorisé à venir m'attaquer pendant que j'étais en train de faire mes bails là ? Non mais. On aura tout vu. Voilà, hop, on prend ça. Ah, allez. Voilà. C'est... Oui, non, mais ça rappelle complètement les énigmes des Korogu, on est d'accord. Bon, en même temps, c'est pour avoir des mini-médailles, donc c'est plus ou moins l'équivalent. Par contre, j'ai aucune idée de à quoi servent les mini-médailles pour l'instant. Enfin, Zelda, en vrai, c'est un truc que j'aurais kiffé streamer quand il est sorti. Le problème, c'est que pile à sa sortie, je voulais streamer. Hein. D'ailleurs, j'étais avec même avec Adrien le jour où j'ai reçu le jeu. Je voulais le streamer. Mais le problème qui s'est posé, c'est que... Genre, j'ai un gros souci de connexion pile. Le jour de la sortie, je me suis retrouvé avec 1 méga en download et genre 0,3 en upload. C'était un truc de un délire quoi. Mmh. Ah, nouvelle recette. La lame barbelée. Épée en bois ornée de pointes. On va essayer de fabriquer ça. Oui, en général, les mini médailles ça fait des trucs cool donc. Ah, oui, du coup, petit chien. Il faut voir si elle trouve des trucs. Apparemment, l'eau ça la dérange pas. Allez, ratatouille! On est en pleine discussion là. That's it. I've come up with a new recipe. J'ai trouvé une nouvelle recette. T'as besoin qu'on te remette ta place. Oula. Attends, on va faire la bagarre. Ah mais non. Mais moi je vais pas taper les rats. Que vous étiez gentil. Ah mais ça c'est parce que Malrot il a encore mal parlé, putain. Il peut pas s'en empêcher. Hein. C'est plutôt moi qui vous ai remis à la vôtre. Quelle indignité. La violence ne résout pas tous les problèmes, je suis pas d'accord. Un bon coup dans la gueule. Ah bah oui, ils s'en remettront. J'avais bien dit, et je te parie qu'ils vont nous dire de trouver des pièces cannes à sucre maintenant. D'accord, demande-nous ce que tu veux. Bah, et c'est où les pièces cannes à sucre? Bah, c'est là-bas, là. Un peu partout au marais, j'aurais aucun moyen de trouver, on pourra les faire comme une souris faire du fromage. Ok. Cette chaumière perchée sur la colline? De quoi elle parle?
J'irai jeter un coup d'œil si j'étais vous. Ok, bon, on va y aller. Ah oui, non mais j'ai pas dit, ok. Comment on fait pour désactiver le... Ok, Si t'as la chance, c'est là pour te protéger. Eh, j'ai fait le taf aussi, hein. Un petit romancier possède un pot super actif pour l'agriculture. D'accord. Ah, ça a l'air difficile. Peut-être qu'il y a besoin d'un coup de main. Merci pour ces précieuses informations. Et pendant ce temps, ma ville continue à viser. Hein? Qu'est-ce qu'il y a fouchi? Ah, canne à sucre. Vas-y, petit chien. Waouh. Bon, bah, hop. On creuse. Yeah, bien joué. Bien vu, petit chien. Bravo, Fushi, t'es la meilleure. Oh. Waf, waf. Oui, ouais. Attends, calme-toi, petit chien. C'est comme le petit chat, mais là, c'est un petit chien. On va suivre là où on dit d'aller, hein. Parce qu'on est bien élevé quand même. Ce n'est pas des sauvages, hein. Alors, on a une bonne vision. Hop. 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 C'est Catherine, en fait. Il y a des blocs. Partout, il y a des blocs. Ah. J'ai faim. Savez-vous, manger des choux à la mode, à la mode. Chut. Calme-toi, le nuage. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pour la chemière du patraque, continuez à y grimper. Ok. Ouais, je le sens pas. Oula! Vie, allez nous chercher les embrouilles ou comment ça se passe? Par où est-ce qu'on peut monter? Ah! Attends, y a peut-être moyen. Si on passe par là. Attends. On est bâtisseur quand même. Y a pas de raison qu'on puisse pas monter tout en haut. Ouais, c'est trouver un chemin. Ah, fous-moi la paix! Tiens, meurs! Meurs vite fait, longé. J'ai dit, tu vas mourir. Voilà, mourrez tous, bande de monstres. Vous êtes rien que des monstres. Meurs, meurs, je dis, meurs, 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 meurs. Voilà. Chien, waf waf. Ah. Oh. Visé. Un TP. Yes. Chaumière de la falaise. Ah, mais c'est là qu'on doit aller. Bah voilà, c'est parfait. Bonjour. Qui est-ce? Je ne sais pas. Attendez, je fais planter. Pourquoi je fais cet accent? Je n'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y a plein de choses ici? Ah bah d'orbe. Voilà, comme ça il fera jour. Ça, on ne se fera pas embrouiller.
faire une tour dégueulasse comme toujours bon joueur de Minecraft. Ouais, bah oui, mais je sais pas faire ça, moi. J'ai pas la technique. Voilà. Bonjour. Salutations, pitoyable enfant. J'espère que tu te sens une humeur destructrice aujourd'hui. Ah, oui, as-tu bien chez le patraque? J'ai surveillé les lieux en son absence. Ah, il t'a envoyé chercher une charge spéciale, hein? Avant toute chose, laisse-moi un peu te renifler. Rien n'échappe à mon odorat sensible. Et pour moi, franchement, tu t'es laissé aller à la construction, n'est-ce pas? Oui. Comment? J'admire ta franchise, mais tu n'es pas sans savoir que la construction est interdite, hein? Les héritiers de Chaos ne pardonneraient jamais une telle offense. Mais tous, il n'y a aucune raison pour laquelle je vais faire un accent allemand, je tiens à préciser. Tes biens mal acquis sont dès à présent confisqués. Le fruit de tes récoltes revient aux héritiers de Chaos. Cela dit, si tu me faisais don d'une partie de tes récoltes, je te donnerais peut-être quelque chose en échange. J'ai vu une vieille amphore poussiéreuse dans l'un des placards. 50 épis de blé. Bah non, je les ai tes 50 épis. Voilà. Tu vois, parce que moi je suis pas un naze. D'aucuns ramassent des algues sur la plage ou encore des fruits tombés sur les arbres, mais leur goût me répugne. Ah, donc même les monstres se rebellent. Ah oui, non, mais c'est complètement du racket, hein. Wouah! Un pot pour arroser en fort d'abondance. Oh! Mais ça m'a l'air pratique, en effet. Il n'y a pas un truc à grignoter par hasard, je te laisse berner par mon gros ventre. Le fringage, je vais me nourrir à tout le monde. Et lui, il veut quoi? 10 blés. Ok. Mais vous en avez là des choux, tu te fous de ma gueule? Attends, parce qu'il a une autre quête, Michel. Ah, il est Guy plus avisé que lui. Bah non, je suis pas malveillant, moi. Je suis la gentillesse incarnée. Ah, va falloir remettre l'eau. Ok. Parce que là, si j'ai bien compris, l'eau circule plus en fait. Attends. Ok, non. Du coup, comment ça marche? Parce qu'en fait, il faudrait que j'ouvre le truc. De toute façon, il n'y a pas d'eau qui circule. Comment tu veux que... Remplis le bassin, s'il te plaît. Peut-être que si je creuse, il y a de l'eau qui va sortir, je sais pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir. Ah, c'est un tombé là. Ah oui, j'étais en mode Minecraft. Non, je vois ça. Non. Ah
Non plus, non. Non mais c'est de la merde ton truc. On va enlever le... Non, je sais pas comment faire venir l'eau. Attends. Ah, maintenant je peux plus remonter. Bravo Alexis. Comment qu'on va faire? Attendez, on va lui parler. Faut être dans le bassin, tu crois? Attends. Ça a pas l'air de marcher. Ou alors ici. Attends, on va aller lui parler, on va voir ce qu'il dit. Parce que forcément l'eau elle doit venir de quelque part, tu vois. As-tu fini un peu de repérer de pâtre? Oui. D'abord, tiens-toi au bord d'un plan d'eau et appuie sur ZR. Attends, appuie ZR. Ah, putain, d'accord. Ok. Ok, donc faut d'abord puiser. Non, putain, dès que je dis ok, c'est... Oh là là, c'est... Relou. Donc en fait, faut d'abord puiser. Et après, tu peux... C'est bon, on a de l'eau? Oui. Ah d'accord, ok. Ok, donc l'enfort s'est rempli. Mais c'était pas clair. En fait, c'est des trucs d'abondance, mais en vrai, il faut d'abord la remplir pour après qu'elle soit... Abandon du cul. Voilà, là ça se remplit. Ta mère toi? Ah c'est pas vrai. Mais on peut pas, bosser tranquille, hein. C'est dingue ça. Hein. Ah ouais, ok. Et après je reste appuyé, c'est bon. Ah putain c'est magique. Oui, y a le chien qui est sous la flotte mais... Comme ça, c'est tout rempli. On est bien, là. Ok. J'ai compris. Par contre, l'eau, elle est sale. Minecraft Intensifies. J'ai jamais joué à Minecraft, mais du coup, j'imagine bien quand même. Les objets profanes étaient en ma possession. Merci, monsieur. Ça vous dérange si je vous pique votre puits? Ah, est-ce que du coup, hein, nouvelle recette. Une écluse. Ah. Bon. Du coup. Hop. On va retourner. Non, c'est pas ça que je veux voir. STP.
Et on va voir ce que ça donne. Et du coup, si je fais ça... D'ailleurs, en fait, ça que je veux faire... Voilà. Vous allez voir, ça va être incroyable. Voilà, hop. Et voilà. Et on va construire une écluse. Ici. Ah, il considère ça comme une petite salle. Waouh, regardez-moi ça, comment c'est beau. Ça, il va me demander de le faire après. Hein. Moi, je le fais déjà là parce que je suis un fifou, mais... Voilà. Comme ça, c'est joli, il y a de l'eau autour et tout. C'est plus sympa, quand même. Allez, on récupère tout, les récoltes, les récoltes. Merci, vous avez été superbes. On s'applaudit tous, allez, bravo, bravo. Alors, inventaire. Voilà, hop. Et on va planter. Ça, vous parlez de théorie crafting Minecraft. Hop. Oh. La bagarre. Vite. Non, ils viennent taper les champs, vite. Ils m'auraient pas. En vrai, j'ai planté mes trucs n'importe comment, j'ai tout mélangé. Ça veut plus rien dire. J'ai aucun respect. C'est ouf quand même de se dire que Minecraft c'est toujours actif quoi, après tout ce temps. C'est beau quelque part, mais enfin, moi je trouve ça beau. Ça va être long. Bon bah on a plus rien à planter. On va aller se TP ici. C'est...
parlait toujours de Minecraft là. En plus, il y a des mods et tout. Ah, d'accord. D'ailleurs, il y a des gens qui ont testé avec le ray tracing. Tiens. Oui. Merci pour les cannes à sucre. Ça, c'est good. Merci. Ouf, hein? Eh oui. Voilà, bon. Ah, j'ai faim. Il a faim. Voilà. Non, ça veut pas être au-dessus de 100%. Voilà. On va se taper ici. On ira à Verchamp après. Ah, parce qu'il y a des maps aventure Dragon Quest, mais elles sont plus. Enfin, de Minecraft, mais c'est plus petit, c'est ça? On l'a vu, je viens de l'ouvrir. Il est gentil ce chien, mais il est un peu con. Ah! Bonjour. On est mort. Trop malin, il semble. Trop malin pour les héritiers de Chaos qui est tu. Faites, mais ça rapporte pas d'argent aux gens qui font. Voilà, la passion. Mais en soi, de ce que j'en ai compris quand même, Builder, ça se démarque assez de Minecraft pour que ce soit intéressant dans le concept. D'ailleurs, je l'ai conseillé à un gamin l'autre jour. Je lui disais, ouais, t'aimes bien Minecraft et tout, bah tiens, teste ça. Bon, au final, il a pris un autre jeu, mais... Des graines d'herbe. Ah ouais, c'est ça qu'il me fallait. Ça, je peux transformer les trucs en herbe. En pelouse 1, au marais de Verchamp, les trouver, tu pourras. Ok. D'accord, bah ça ne dit pas où exactement, mais. Waf waf. Ah oui, oui. On y va, calme-toi. Alors c'est pas ça, mais oui, c'est bien. Ouf. Et est-ce qu'on tente la bagarre? Est-ce qu'on tente? Ça fait pas tant de dégâts que ça. C'est gérable.
Allez, allez, on peut l'avoir, on peut l'avoir. Dommage qu'il n'y ait pas de musique, tu vois. C'est parce qu'il fait nuit. Allez, allez. Yes. Voilà. Super. Bon, il y a tout le monde qui fait dodo. Et voilà. Oui. Je tente de faire de la cuisine. Ah, Lego World, c'est nul. Ah, justement, j'en ai entendu parler de Lego World. Enfin, je le vendais, donc je me posais la question. Ouais, c'est pas souvent une comparaison Minecraft, ouais. Bah oui, logique. Minecraft doit peser tellement. Ah non, il y a que le chou que je peux. Travaille. Ouais, bah non, parce que Builders, bah déjà, bon, l'avantage c'est que c'est basé sur une licence qui est déjà bien implantée. Et puis que du coup, bah ouais, c'est un style un peu différent, donc ça aide. Il y a une histoire et tout, enfin, c'est pas non plus pile le même jeu, quoi. Clairement, ça apporte d'autres choses. Je me balade, hein, j'explore. Je vois pas où vais trouver d'autres graines d'herbe en fait. Oula, y a un gros crabe là-bas. Faire toute la plage. En fait, là, on revient de volonté. Oui, des graines pour planter de l'herbe, en fait. Parce que, tu vois, les mains en donnent. D'accord. Bon, bah, on va aller taper des mains dans le marécage. Dans l'eau. Ah oui, bien vu. Ah, le petit quien. Oui, je m'en occupe, Voilà. C'est bon, le chien est content. Le petit chien est content. Ah, une pince de crabe. Donc des fois, il y a des monstres aussi qui lootent des trucs intéressants comme ça. Ok, là. C'est bon à savoir.
campement, c'est commencé à être dangereux la nuit. Hein. Voilà. C'est bien ça, du compost tu pourras faire. Oh! Et comment je fais du coup pour faire du compost? Ok. Ah, nouvelle recette. Est-ce que ça va être pour faire le compost? Ah, mais une anzo, bah oui. Ah. Informé d'ombrique. Yo. Y a pas un truc pour que je puisse me battre mieux sous l'eau? Ça, c'est pas pratique du tout en fait. C'est mou du fion. Par contre, Malroth, il s'en bat les couilles. Malroth, il tape, tape toute sa vie. Ah. Là-bas, si on allait explorer, c'est l'aventure. Oh, la bagarre! La bagarre! Oh, il y en a plein partout. Azaris, mais ouais, d'accord. Ouais d'accord, par contre, elle va se faire moins facile. C'est la tisseuse. Oh, je bouge tellement. Je sais pas à quoi ça sert. Ok. Mais non, mais faut vraiment que je désactive. En plus, elle m'engueule parce que. Ah, super. Tape dedans. Non. C'est un meuble rare. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ah. D'accord. Ok, d'accord. Tout simplement. Cherchant. Ah, il y a un truc aussi qu'on n'a pas résolu. Ouais, non, mais c'est... j'ai pas le réflexe en fait. J'ai pas le réflexe de taper avec le marteau. Ah, fous-moi la paix, fous-moi la paix. Oui, c'est bien, t'es contente, allez, casse-toi.
qu'il y avait un truc à résoudre par là. J'avais déjà résolu le truc en fait. Voir c'est en dessous. C'est quoi cette icône? Je sais pas ce que je suis censé faire du coup. Vraisemblablement il y a un truc à faire ici mais je ne sais pas quoi. Bref, peut-être qu'on m'expliquera plus tard. Il a commencé à pleuvoir. En tout cas, le temps se couvre. Pourquoi elle est... Non, reste dans la flotte. Ouais, merci, merci, merci. On peut le dire. Hein. Tu récupères l'enfer d'un monstre. Ah oui, du coup, ouais. Elle devient une vraie fermière. Oh, génial. Donc, du coup, la canne à sucre, on va pouvoir la faire pousser maintenant qu'on a du... On peut faire mettre de la flotte, c'est ça? Parce que, en fait, oui, donc on a que des pousses, on peut pas faire de vraies cannes à sucre en fait. Est-ce qu'il faut les planter dans la flotte? Ah oui, un champ saturé d'eau, d'accord. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'il fallait. Faut que je refasse un. Oh, mais c'est pas vrai! On nous attaque! Mais tu veux rester là où t'es? Voilà. Bon, quand même. Oui, épouvantail. Viens faire ton taf. Qu'est-ce qu'il me proposait? J'aurais épuisé. Ah, mais pourquoi il reste dans la flotte aussi, les cons? Une salle pour se laver. Ah,
une douche en fait, des bains. Il a commencé à plus avoir beaucoup de place dans cette ville en fait. Un plan des bains. Bah on va le faire là-bas. Ah, nouvelle recette. Pas le déplacer le plan parce que là il est pas bien placé du tout en fait. Attends, une fois qu'on a posé en plan, il n'y a aucun moyen de récupérer le plan. Moi je veux récupérer le plan en fait. Vu qu'ils veulent pas travailler avec moi, voilà. Tant pis, débrouillez-vous. Alors, voir le plan. Donc, on va avoir du bois souple ici, du plancher là. Voilà. Plancher. Ici. Là, faut que j'en crafte. Ou alors. Alors j'en récupère aussi, ça marche. Par contre c'est con ça qu'une fois qu'un plan est posé on peut plus le déplacer parce que il doit y avoir une moyen de faire, mais c'est juste qu'on m'a pas montré comment. On va laisser ça ici au cas où il faut qu'on construise un autre truc. Ok. Non. Je vais récupérer un autre truc de plancher. Mais normalement, après, quand t'as des grosses constructions, apparemment, tu peux les faire faire par les gens. Ce que j'avais vu en tout cas sur chez Elon. Alors. Souple, il en faut 22. Et en plus, t'as dit de quoi t'as besoin pour le. Hop. Par les esclaves, c'est ça. Je crafte
Ça va, moi j'ai l'impression de pas manquer de matériaux à chaque fois. C'est parce que je farme pas mal. Porte serviette quoi. Voilà, hop. Inventaire. Les baquets, on va les mettre ici. Hop, on met ça au mur ici. Bois souple. Ah, j'ai oublié ici. J'ai oublié de mettre du bois ici. Hein. Ah, la petite salle, voilà, si je considérais pas que c'était. Ok. Ensuite, truc en céramique. Hop. Et une en intérieur. Hop. La baignoire, on l'a pas mis la baignoire. Alors que c'est quand même le plus important. Voilà. Et le petit tabouret, on va peut-être dans cette direction. Les porte-serviettes. Voilà. Non, c'est pas ça que je vais mettre. Si je me bourre, il faut que je vais mettre. Ah, là, là, ils sont tous contents. C'est la cata, ils en ont. C'est la chouchou dans les cellules. Bravo tout le monde, on a vraiment travaillé de concert. C'est génial, j'ai tout fait à votre place. Intérêt à m'espionner. Oh bah je vais me gêner, tiens. On va arrêter depuis la mort. Ah bah oui, se laver, c'est peut-être une bonne idée. Oh mais attends, j'ai une idée. Serviette de bain. Oh, un truc de... Oh, génial. Attendez, c'est ce que je pense. Voilà. Lombric Chan. Eh hey, mais viens là Lombric Chan, j'ai planté un épouvantail là.
Viens faire ton taf. Bon bah, on va... Ah non, ou alors... Est-ce qu'il faut faire ça? Mais non, j'ai pas puisé. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, bah écoutez, je vais essayer de faire un épouvantail. J'ai pas l'impression que ça fonctionne bien cette histoire. Attends, alors, ce qu'on va faire déjà. On va déplacer cette histoire. On va mettre ça là. Moi, je pense pas déplacer plusieurs trucs d'un coup en fait. Voilà. Bah non, hein, c'est... Enfin, attends, je vais voir... Non, mais... Je vais voir si je peux planter direct bien à sucre. Non, non, il veut pas. Alors, ce qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit truc. Ah, il a faim. Attends. Mec, je pense jamais à me nourrir. Voilà, hop. Ah, j'ai passé, vite. Et voilà. Bon. Maintenant, on met la flotte. Voilà. Et là, normalement, on peut planter. C'est dégueulasse ce que j'ai fait du coup, mais au moins ça marche.
que des fois, faut être astucieux dans la vie. Voilà, méchants de cannabis, au moins, voilà, ils ont un peu plus de gueule maintenant. Ouais, voilà, mais c'est parce que c'est moi le meilleur. Trop des champs inondés. Bah oui, t'inquiète, je gère. Comment ça fait rien, on va peut-être aller dormir. Est-ce qu'il y a des gens qui se baignent? Aïe, j'ai pas pensé au fait. Voilà. Cette arme que j'ai actuellement ne se ressemble à rien. Par contre, pousse-toi, Jean-Étienne, s'il te plaît. Ah, merci. Hop, et du coup. C'est quoi ces cris que j'entends? D'accord, ok, très bien. Ils ont raison, il faut dormir. Je peux pas dormir, il n'y a pas assez de lit. Est-ce que j'ai un lit en rab? Non. Ah oui, c'est la mort, oui. Fantôme bleu avec la faux. Moi j'ai même pas dormi de la nuit. Où est-ce que je peux faire cuire? J'ai pas de truc pour faire cuire pour faire de la cuisine. Ah bah si. Ok, autant pour moi. Sommeil, c'est pour les faibles communistes. Moins tu dors, plus t'es fort, exactement. Voilà. Ah oui, il a gratifié si bien. Réponds à leurs attentes et fais sonner la cloche de bâtisseur. D'accord. Ah, mais vous me demandez plein de trucs. Jarre, porte-serviette, ok. Une salle de plus. Il nous faudra une petite pièce contenant une jarre et un porte-serviette pour qu'on puisse lâcher du lest, si j'ose dire. Ah, d'accord. Il faut des toilettes. Putain. Voilà. On va vous faire des petites toilettes à caca. Yep.
Yop. Hop. Bon, ça va être dégueulasse, hein, mais... Voilà, vous m'excuserez. Non. C'est les toilettes au fond du jardin. Alors... Hop. Ah merde, il me faut de la terre contaminée, j'en ai plus. Voilà. Et du coup... à faire une porte. Attendez, j'en ai pas une porte simple. Voilà, pièce minuscule, parce qu'il n'y a pas besoin de 30 000 trucs. Voilà, des petites chiottes. Ah, t'es content? T'as tes chiottes. Oh, regarde, regarde comment ils sont contents. Oh, génial, on va pouvoir aller faire caca. Regarde, non, déjà, ils sautent sur le foot. Qu'avez-vous? Des chiottes, putain. Fini, canard. Répondre à l'appel de la nature. Ils ont pensé au fait de devoir faire des chiottes. Arriver sur... Putain. Ce qu'on fait après avoir digéré un repas, c'est pour faire caca. Tu auras l'utilité de cette salle par toi-même. Cette matière te sera utile. Attends, quoi? Tu veux que je récupère le caca? Mais non! Non, j'ai pas récupéré ton caca! Bon, qu'est-ce qu'elle va me demander, Micheline? Bonsoir, Tiffy Ange. Alors. Faisant cuire du blé sur un feu de camp. Ah oui, oui, oui. Oh, du pain. Mais oui, on va faire du pain. Waf, waf. Je suis le chien. Alors. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner? Tiens, on va tester de cuisiner ça. Hop, on va planter du blé. En vrai, ils m'ont menti, c'est Stardew Valley le jeu. C'est pas Minecraft, c'est Stardew Valley. Je sais, j'ai jamais joué à Stardew Valley. Est-ce qu'il nous reste encore des graines? Oui. Oui, oui, ok, très bien. Hop. T'inquiète, je suis en train de le faire aussi, t'inquiète pas, frère.
Bon, on a bientôt les 250. Ah, Lombrickman, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Il m'a dit un truc sacrément intéressant. Il m'a dit que vous aviez rendu service à un archer vert. Il m'a aussi dit que tu avais appris à faire du compost dans le temps, même temps. Ah, une nouvelle qui est bonne. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Et tu te préoccupes pas du tout des prairies si chères à mon cœur? J'ai l'intention de laisser tomber, mais mes ancêtres seront fiers de moi. Je vais recouvrir cette île d'herbe, tu vas voir. Ah, c'est vrai qu'à partir de graines d'herbe et de matières fécondes, pas vrai? Rends-moi service fabriquement une bonne grosse boule de compost. T'as qu'à aller voir dans ces jarres. Ah ouais, d'accord. Ah, matière féconde, c'est du caca. Ok. Oh putain, j'ai récupéré le caca. Mais non. J'ai pas signé pour ça, moi. Il en faut plus, c'est ça que t'es en train de me dire. Il en a pas assez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme quête? Toute l'encyclopédie. Ah, et du coup, après, tu peux faire des plans directement depuis les trucs que t'as fait. Enfin, comment ça se passe? Oui, c'est un objet. Placé. Voilà. Et ça, vous pouvez manger. Ah, ça a pas encore poussé, ok. Du pain. Tiens, voilà ton pain. Le caca. Ah bah, il n'y a pas de caca dans Minecraft. Merci. Calmez-vous, calmez-vous. Allez, on plante. Il est où, Lombrixan? Alors, il était vraiment délicieux. Je sais que... Si tu as quelque chose à demander à Paxel, ne lui fais pas perdre son temps, dis-le. Construis une salle avec un coffre collectif, 3 sacs de blé, 3 feux de camp et 2 piles de bois de chauffage. Et vous en demandez beaucoup, madame. Du coup, c'est quoi, tu veux que je fasse une pièce... Genre une salle pour dîner, c'est ça? Attends. Une salle pour faire... Ah putain, une cuisine, oui. Ok, d'accord. Ok, non mais c'est moi qui suis débile. Foutez-moi la paix.
encore les monstres qui envahissent, mais c'est pas vrai. Je vais vous casser la bouche. Ah, puis en plus, il y en a, ils ont des bonus de défense. Voilà. Merci. Pas vrai, ça. Pas être tranquille chez soi. Non, c'est pas encore bon. Ça, ça met du temps, par contre, hein, le sucre. Hein. Alors. Bon, on les voit faire caca. Alors, on a récupéré le caca. Alors, désolé, hein, je vais faire la cuisine à côté de la salle pour faire caca. M'excuser. Attends, hop, on va se mettre en mode Minecraft. Non. On va te faire une belle cuisine. Alors, on fait une porte. Comme ça, si c'est pas bon, les toilettes sont à côté. C'est ça. Je vais faire tout par deux, comme ça, hop, je suis sûr. Voilà. Alors. Hop. Donc ça, on va ranger. On range. Ça range aussi. Hop. Bon, par contre, je me souviens plus exactement comment elle veut que je fasse ça. Est-ce que ça fait la pièce qu'elle m'a demandé ? J'ai eu redemandé exactement comment on fait ça. Coffre collectif, merde. Alors, coffre collectif, 3 sacs de blé, 3 feux de camp. D'accord. Et 2 piles de bois de chauffage. Ok. Donc 3 buts. Ok. Et 3 feux de camp, donc il me manque encore un feu de camp. Et voilà. Petite cuisine rustique. Et alors, attends, parce que on va aller mettre bien, on va faire ça proprement quand même, parce que sans cette une cuisine à faire genre. Voilà, table. Voilà. Vous allez voir, on va essayer de présenter ça correctement. Bon, regarde. Cassez-vous de marais. Barrez-vous de Jean Marais.
Ah, ça y est, pas fait une cuisine. Quel Link. Hop. Je coupe tout d'un coup. Il fait nuit, on va peut-être aller dormir. Doudou. Ah bah non, j'ai pas l'impression d'avoir des pièges ou des trucs comme ça pour l'instant. Va peut-être m'expliquer après, mais... En tout cas, là, pour le moment, j'ai pas. Donc du coup ils peuvent fabriquer de la bouffe régulièrement si je leur mets dans le coffre. Ok d'accord, c'est bien à savoir. Alors la cuisine. Attendez, je vais vous faire un truc où vous pouvez sauter parce que j'ai l'impression que vous galérez. Voilà. Enfin, c'est surtout moi qui galère, mais... Alors. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir cuisiner ça correctement. Voilà. Hop. Voilà. Et tu vois. Hop. Oh, je vous ai fait ça, mais en propreté. Calmez-vous. 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 Ah, vous pouvez désormais améliorer le niveau. Ah, allez, c'est parti. Yeah. Yeah. Spécialiste de Sumigan. Oh, regardez, encore plus de Pekno. Une idée m'est venue. Rondin taillé. Pont simple. Paillasson de bois, fenêtre abritée, fenêtre cintrée. Oh là 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 là. Tant de choses, tant de choses. Putain, mais tu peux faire des trucs de ouf. Concernant de planter des graines, maison dans le coffre collectif. Ça va nous indiquer dans quel chantier. Ok, d'accord. Raki, des beaux édifices. Tiens, inventé. Bah, c'est cool, c'est cool. Ah, putain. Oh, c'est bien foutu quand même. Ah là 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 là, quelle vie on mène tout de même quand on a une ferme dans Dragon Quest. Commence à avoir un peu de gueule notre village de merde là. Mais est-ce que du coup ça reste une cuisine le truc? On s'en bat les couilles des mecs de Kalos, on est des bâtisseurs putain.
ferme de champ croit de jour en jour, ses habitants ont besoin de quiconque confiance d'un meneur. C'est d'un maire. Oh. Ah, malheureux, c'est pas d'accord. Le pire, c'est qu'il a raison. Et voilà, faut mériter le fait d'être le maire. En plus, t'as la même gueule que Mister Satan. L'arbre, regardez. Et là. Waouh. Il a encore poussé. La puissance de la création est une puissance force importante. Un nouveau pouvoir, il sera bientôt aussi puissant que le vénérable abattu par les héritiers de Chaos. Ton directeur comme ça, mais en fait c'est sacrément profond, alors que moi j'ai du mal à voir plus loin que ma prochaine soupe au chou. Bon, il faut encore qu'on trouve deux types de trucs à planter. Alors, donc nous en étions la cuisine. Voilà, allez-y, cuisiner. On va pouvoir cuisiner des super trucs avec ça. Ah. Silence, ça pousse. Hop. Bam, 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 bam. Et eux, ils ont aucun moyen de récupérer les récoltes, je suis obligé de le faire moi-même à chaque fois. Ah donc c'est ça, ils sont bien en train de faire la cuisine. Oh, c'est parfait. Bravo les enfants, bravo. Je suis fier de vous, putain. Attendez, je vais mettre la canne à sucre aussi. De récolter le caca. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est juste qu'après il veut que je la place. Ok, après il fait son taf. Ok. C'est la première. Voilà, j'ai plus de quête, on va falloir explorer.
ça que t'es en train de me dire, jeu? Ah, j'ai faim. Ah là, Lombrickman. Incroyable. Version ne tardera pas à trouver sa splendeur. Ah oui, c'est vrai, sur l'île de l'éveil, ce serait pas con. Ah, ça va être de nouveau la bagarre. Je vais fabriquer des armes, vous inquiétez pas. Ah, il fallait que je fabrique aussi. Pour former une colonne. Pour marquer l'entrée d'un lieu. Voilà. Qu'est-ce que ça fait là-haut, ça? En fait, c'est moi, je me rends compte. D'ailleurs, on va faire aussi un truc. Ça en fait de belles barrières. Hop, et là même ce qu'on peut faire. C'est bien fabriqué. Alors, non, l'enclume pour les armes. Alors, qui n'a pas d'armes? Ah, donc les meufs, elles se battent pas, c'est ça que t'es en train de dire. Ha ha ha!
Voilà. Donc tous ceux qui se battent ont des armes. C'est ok. Ah non, oh, j'ai un dernier truc à faire. J'avais complètement oublié. Non mais un truc en plus on peut faire. Voilà. Voilà. Normalement, il y a un truc qui a une planche mirage, donc enfin, tu peux mirager les trucs normalement. Allez, c'est parti, que le combat commence. Après, il a jeté mon épée, salaud. Ils ont jeté mes épées. Ah, salaud. Allez-y, attaquez! Tu m'emmerdes, toi! Allez-y, c'est le meilleur! Fort, je pourrais fracasser un monstre du matin au soir. Oui, c'est un peu lent, ouais. Oh, ça c'est bien ça. Super frappe. Ah, bah merci. Ah, j'ai une idée. Yeah! Gourdin à pointe. Ah. Putain, mais d'ailleurs, mon niveau 6, en fait, j'ai gagné plein de. Je suis assez haut, en fait, rien que dans le niveau 6. Bon sang, Paxel. Tu es vraiment le Super Saiyan Blanco. L'Abadouin. Il a pris ma déversion tandis que je ne suis qu'un simple pâtre. Il est beaucoup plus haut placé que moi et sa mainmise sur l'île est absolue. Ah bah oui, de temps en temps tu pourras attaquer quand même. Mais oui, allez, vas-y, deviens bâtisseur, tu vas voir, on est bien.
deux autres types de graines, mais il faut déjà qu'on les trouve. Allez, tous au travail. Attends, on va essayer. Si je fais... Attends, comment je fais la super frappe du coup? Ah, il sait. Ah non, mais là, je reviens. Ça, il faut mieux que je fasse là. D'accord. Oui, en effet, ça va plus vite. Les recettes sont débloquées sur les postes de fabrication. Okay. Est-ce que je peux prendre un bain? Ah oui. Oh. Ah, ça m'a répondu. Alors, la semence, oui, les semences, oui. Des graines de citrouille. Oh. Ok, hop. Moi, je vais pas tarder à arrêter de toute façon. Quand c'est certain, je commence à être fatigué aussi un petit peu, puis demain je vais chez mes vieux donc. D'accord. Bon. Eh bien, on a bien avancé. Et je pense que du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite donc une très bonne nuit. Et je vous fais tout un tas de bisous. Alors, passez, voilà. Je vous fais tout un tas de bisous. On se donne rendez-vous jeudi soir vers 21h et on continuera Astral Chain. Voilà, bisous bisous à tous, bonne nuit.